Merci de nous rejoindre sur les chaînes de la MBC, mais aussi sur MBC YesTV. Alors, dans Raconte-moi ta passion, aujourd'hui, on vous emmène à Moka pour d'abord pour le premier reportage. On va à la rencontre d'un groupe de jeunes. Ils sont âgés entre 15 et 17 ans. Alors, c'est un projet du lycée des Mascareignes. C'est une académie olympique. Alors, pendant plusieurs années, le lycée des Mascareignes va former, va encadrer 27 jeunes sportifs qui font partie de l'élite mauricienne. L'objectif est de les former pour les prochaines échéances olympiques, à savoir les JO de la jeunesse de 2026, voire les Jeux olympiques de 2028. En deuxième partie de Raconte-moi ta passion, nous restons à Moka pour vous faire découvrir le talent de Raphaël Lamus, elle qui depuis quelques années seulement a une véritable passion pour le cyclisme, précisément pour le VTT. Tout de suite, direction le lycée des Mascareignes. C'est un défi majeur que compte relever le lycée des Mascareignes de Moka. Depuis août 2021, l'institution scolaire regroupe 27 sportifs âgés entre 15 et 17 ans. L'objectif principal, elle se veut, de constituer un bon groupe de médaillés olympiques potentiels. Pour atteindre le zénith, les jeunes seront encadrés tant sur le plan sportif qu'académique. Pour ce projet, qui est une première, le lycée des Mascareignes travaille avec d'autres partenaires, dont les fédérations sportives. Jean-Baptiste Goblet, DTN en rugby depuis 4 ans à Maurice, déclare qu'il faut 8 ans pour un cycle olympique, c'est-à-dire pour préparer un sportif pour un rendez-vous olympique. Le but, c'est vraiment de pouvoir accompagner tous les sports et c'est d'avoir un vrai club sport pour permettre aussi à tous les athlètes jeunes de s'émanciper et de grandir en tant qu'athlète. À travers nos expériences et nos expertises, on sait très bien que ce sont des cycles olympiques. Il faut environ 8 ans pour permettre à un athlète de devenir médaille d'or sous les JO. On voit un petit peu le suivi qui se passe en Chine, qui se passe aux États-Unis, qui se passe en Europe. Les cycles sont là et forcément il faut commencer très jeune et il faut apporter des solutions. Actuellement, le volume d'entraînement était tellement faible à Maurice sur la partie hebdomadaire. On passait de 6 heures par semaine. Espérer d'avoir une médaille d'or avec 6 heures par semaine, c'est utopique. Donc là, on a mis des vrais volumes d'entraînement. Similaire à un athlète européen ou un athlète américain, sur lequel on est sur des volumes qui varient entre 16 et 21 heures par semaine. Et là, on est vraiment sur le même volume. Donc, du coup, on va donner la même chance à l'athlète mauricien pour pouvoir performer. Et c'est pour ça que si on part du plus jeune, si on part, on va dire, de l'âge de 13-14 ans, on va pouvoir avoir une génération qui va éclore d'ici 8 ans pour pouvoir performer. Donc là, voilà, on est sur le début du projet. On va essayer de pouvoir travailler d'un point de vue transversal avec aussi la partie collège et la partie universitaire pour permettre d'avoir un accompagnement total. Chacun des 27 sportifs choisis pour faire partie de cette académie olympique consacre 4 heures par jour au sport. Adrien, qui pratique le triathlon, accueille favorablement cette initiative. Ça me plaît vraiment de pouvoir faire différents sports tous les jours, alterner un peu. Et donc j'ai choisi le triathlon parce que déjà aussi il y a mon parrain qui faisait ça. Et ben j'ai vraiment voulu faire ça parce que c'est là où je m'épanouis. C'est vraiment une chance qu'on a de pouvoir faire ça. Les heures d'entraînement ont évolué un petit peu plus car je faisais quand même pas mal d'entraînement avant. Et non, c'est vraiment une chance qu'on a de pouvoir faire ça. Je m'entraîne en groupe maintenant, c'est mieux, on peut se pousser chacun. Mais aussi, on fait un petit peu plus en ce moment de renforcement musculaire pour pouvoir construire une base et pouvoir après mettre beaucoup d'entraînement dessus. On a le temps de faire nos études. On est dans une classe un petit peu moins, il n'y a que 13 élèves au lieu de 26. Donc on est un peu plus efficace en cours et on peut mieux se concentrer. Idem pour Tayana, nageuse, et Anna, adepte de la danse. Les premières semaines sont consacrées au renforcement musculaire. On s'entraîne tous les matins 1 heure. Ensuite, l'après-midi, on s'entraîne dans nos clubs. Moi, je m'entraîne 2 heures le soir, 1 heure le matin. Et mardi et jeudi, c'est 2 heures le matin. Et le rythme d'entraînement, en vrai, ça va. Il faut juste s'adapter à un moment. Il faut trouver le rythme. Et moi, je pense que j'ai trouvé mon rythme. Et tu as déjà participé à des compétitions, Tayana?
Oui, je participe à des compétitions depuis que j'ai 11 ans. Quelles sont tes ambitions en natation? J'aimerais pouvoir participer aux Jeux du Commonwealth l'année prochaine. Oui, pourquoi pas aux Jeux Olympiques. Moi, je pratique la danse. Donc, ça fait 2 semaines qu'on est rentré à l'école. Et dès le premier jour, ils nous ont expliqué en fait, le fonctionnement, comment ça allait se passer, donc, ce qu'on allait faire le matin en arrivant et tout. Et du coup, tous les matins, on a 1 heure ou 2 heures de sport, donc ça dépend. Et on travaille sur le renforcement musculaire. Enfin, c'est un peu approprié pour chaque sport. Donc moi, personnellement, je pense que d'ici 3 semaines, je vais commencer à me personnaliser dans mon sport, donc la danse. Donc je vais plutôt faire des étirements. Je pratique le classique, le jazz et le contemporain. Donc le classique, je suis dans une école à Granby. Et ensuite, le jazz et le contemporain, je pratique à Beauplan. Et tu es fière de faire partie de ce projet? Ah oui, totalement. Je trouve ça hyper une excellente idée d'avoir créé ce projet parce que ça nous permet de nous améliorer dans notre sport et ça nous permet de montrer notre passion. Ouais. Si pour l'heure, l'Académie Olympique est plutôt un projet privé, le proviseur du lycée des Mascareignes, Philippe Dariel, compte l'étendre aux autres sportifs. Pour cela, un partenariat public-privé ainsi qu'avec le ministère de l'autonomisation des sports, des jeunes et des loisirs est fortement envisagé. C'est la génération 2006 qui débute ce projet. Et l'idée du dispositif, c'est de combiner les études de très bonne qualité que nous pouvons dispenser dans notre établissement avec un encadrement sportif qui permettra aux jeunes d'avoir une 20aine d'heures par semaine de sport qui correspond à un volume que l'on va catégoriser de haut niveau, haute performance. Pour réussir ce projet, on ne peut absolument pas réussir tout seul parce qu'on n'a absolument pas la compétence, effectivement, ni l'expertise dans tous les domaines qui vont être abordés avec ces athlètes. Donc nous faisons appel à beaucoup de partenaires. Les ressources internes, évidemment, sont très utilisées. Les professeurs qui sont une équipe pédagogique expérimentée, volontaire, et être les pionniers, mais aussi évidemment les fédérations, les entraîneurs, puisque nous avons des athlètes qui sont de 8 disciplines différentes, 2 sports collectifs et 6 activités individuelles. Nous avons aussi des experts le matin qui prennent en charge l'ensemble des athlètes pour leur préparation physique et leur préparation mentale et apporter des connaissances évidemment sur la vie d'un sportif de haut niveau. Donc c'est vraiment un projet très multipartenarial, mais qui pour l'instant a débuté effectivement avec surtout l'initiative privée et on attend évidemment que l'initiative publique, les fonds publics puissent nous rejoindre pour avoir davantage d'athlètes et être davantage inclusifs. Le ministre des Sports est informé de notre projet puisque il est un projet porté aussi par notre ambassadrice et par le service culturel de l'ambassade de France à Port-Louis. Donc l'ambassadrice a rencontré le ministre, a rencontré ses équipes et a présenté ce projet. Le Trust Fund pour l'excellence en sport mauricien est aussi informé. On a présenté ce projet à son président et à ses cadres. Le comité olympique a été sollicité par le Trust Fund lui-même. Et l'idée pour nous, c'est d'attendre que toutes ces volontés politiques, ces volontés de coopération aussi avec l'ambassade de France, puissent permettre de sponsoriser, d'accompagner financièrement davantage de familles et qu'on puisse nous confier davantage d'athlètes, y compris des athlètes dont la famille serait de conditions sociales très modestes. L'ambition du projet à l'origine est importante. Donc on souhaite, à partir de la sélection d'athlètes qui ont été déjà initiés dans chacune de leurs disciplines et atteint déjà un niveau national ou international, à partir de cette base-là, à partir de leurs 15 ans, c'est les accompagner avec les mêmes volumes qu'on retrouve en Amérique du Nord ou qu'on retrouve en Europe. Et d'une part, premièrement, pour assurer, pérenniser les participations des athlètes ou des équipes mauriciennes aux Jeux olympiques de la jeunesse, par exemple, mais aussi après aux Jeux olympiques tout court. Et notre objectif est à viser 2026, évidemment, et à viser 2028. 2024 étant un petit peu proche de nous, pour avoir évidemment un espoir de médaille. Ces jeunes gens sont que de 2006. Donc 2026 et 2028 sont des objectifs pour lesquels on souhaiterait évidemment qu'on puisse apporter par cet encadrement une médaille à la République de Maurice. En vue d'atteindre le plus haut niveau professionnel, l'encadrement comporte plusieurs aspects clés. La préparation physique et mentale, la nutrition ou encore le suivi médical.
Baptiste, je te vois ici avec les autres sportifs concernés par ce projet d'Académie olympique. Dis-moi, comment tu as su sur ce projet et comment ça se passe depuis que tu as intégré la classe? J'ai su ça quand j'étais en Belgique. On a expliqué le projet en visioconférence. Et donc j'ai décidé de faire ça pour progresser dans mon sport. Depuis qu'on a commencé, je me sens bien. On a un bon esprit de groupe et j'aime bien les entraînements. Oui. Et quel sport tu pratiques et comment ça se passait en Belgique? Je fais de la natation et ça se passe bien. J'espère progresser encore. Raconte-nous ta passion pour le rugby, quand et comment ça a commencé et comment ça a évolué petit à petit. Moi j'ai commencé aux Pays-Bas parce que mon père en faisait, donc c'est de famille. J'ai commencé quand j'avais 7 ans et ça a évolué, c'est devenu vraiment ma passion, j'en ai fait de plus en plus. Et je trouve que ce sport est vraiment génial, donc je continue et puis cette opportunité-là m'a fait évoluer à un rugby de plus haut niveau. J'essaie de me hisser le plus possible et donc c'est un sport que j'adore, donc je continuerai le plus longtemps possible. Quand je suis arrivé avec des amis déjà, parce que j'ai des amis qui jouent au rugby, que je connais. Donc on était déjà un petit groupe et ensuite on a intégré une classe avec d'autres gens de d'autres sports. Ça nous a fait découvrir d'autres disciplines, des championnats, des tournois qu'on ne connaissait pas, des façons de s'entraîner qu'on ne connaissait pas non plus. Et ensuite s'entraîner collectif, c'est vraiment très intéressant. On s'entraîne tous ensemble sur des différents exercices et tout. C'est très enrichissant et je pense que c'est une expérience vraiment qu'on est vraiment chanceux d'avoir. Donc moi franchement j'adore. Le projet, dans sa forme actuelle, comprend 8 sports et activités. Le football, le rugby, le badminton, l'haltérophilie, la natation, le triathlon, l'équitation et la danse. L'objectif se dessine clairement pour ces sportifs. Viser le podium aux Jeux Olympiques de la Jeunesse de 2018 au Dakar en Sénégal, mais aussi aux JO de Los Angeles de 2028.